Une merveille de plus pour la ville de Brazzaville. Les travaux de réhabilitation ou de reconstruction du rond-point Kebana Virage, entrepris depuis 2014 à Talangaï, tend à sa finition. La reprise de ces travaux le mois de juin dernier par la Société Générale d'Entreprise Construction Congo, en sigle SGEC, est une satisfaction pour la population de cet arrondissement et surtout d'alentour qui, selon elle, ont vu leurs activités autrefois tourner mal à cause de la faible circulation de la clientèle occasionnée par ces travaux. Ainsi rêve-t-elle voir son achèvement complet afin de mettre fin aux embouteillages que connaissaient les chauffeurs des taxis et bus en provenance des Mikalo. Signalons que ce rond-point est le seul point d'intersection qui relie l'avenue Marine Wabi à la sortie de la route du Nord qui mène vers le rond-point Kulunda à Wendie, le 5e arrondissement. La nouvelle construction en forme des viaducs est devenue l'un des endroits les plus attrayants de Talangaï, très fréquenté par les jeunes pour leurs loisirs vespéraux. De ce fait, les populations saluent cette initiative de développement de leur localité et expriment tous leurs sentiments. Bon, franchement, parce qu'avant, tu as des difficultés belées. Et ça ma voiture, ça ma colo, tant que ma difficulté. Mais tout le monde que non vraiment c'est là, il commis vrai bien, qu'on facilite, mais on bouteille, pareil, et ça la moi du mieux. On peut laisser bateau bas, c'est un truc à le pango, bah on est vraiment à l'aise. En tout cas, ils avaient tout ces belles mignons, les cambois et salami. Tout cela qui ont vraiment longtemps, mais qui ont dingue et salami. Tu remercies vraiment président Yambo quand les cambois et salami n'a qu'à t'y attendre langai. En tout cas, tu commis vraiment à l'aise. Et si qu'aux hommes là les comme le cola poto yo. Biso bana mike ici ko ya laka libulu monene to ya ko sakala na katia to bomba na so kimi mosala ndako oyé siko mais lolo ko le bongwani boy penza na pesi papa saso mokakoswa na sepeli na nzela ndenge siko penze yi ne so baka ti talanga yi separe e yi penza pare so ju fota wa obina motana na poto a ko sepela e fongwa ma po hein ezala on activité pour que to sepela poto moindo na biso lokole komiaba esengo eza monene na tondi samine sengo pamba te webi moto sokazaki na kati na zamba abimi na kati na mboka moni nzele leki foto ni samine sengo soko zalaki ko steka nguba pona ko soma nguba zalaki pasi mingi okomona na ngonga wana ba leki nzela ba komi ko sumba ya yo oyo za koteka eza esengo makasi na tondi samine sengo na sepeli pona ete etali se pai na ngai ngai pe lokola moko na bato na mboka na moni mboka eza kofungama na sepeli makasi pamba tena kobanza ete soki kutolikaka tena butu tena ngonga moko toza kolika pe tozwa pe ba photo to lwa ete tabu mboka na biso pe komi lokwa pe baza kol ba réseaux sociaux to komi pe ko publier to komi pe ta pe to le te ko biete tala biso pe mboka yo beungi na banza ete na nzela ete makanisi bazwa kozwa malamu mais baso sola mapi na makanisi ngo balanda ka pe misala yango ndenge ba obongisa nzela en tout cas to sepeli ndenge papa s'asoit ko bongisa nzela en tout cas to sepeli ngandenge na la na limoto aweso ndenge lola komo uta aweso kana mokolo moko na okoma Brazzaville eko pesa nga vrai sengo en tout cas papa s'asu wumela a wumela bokonzi ne kwa mes impressions sont positives d'abord de voir que des choses que jadis nous n'avons jamais vues mais aujourd'hui sous la houlette du gouvernement actuel on voit au moins ce beau bâtisse qui s'est pointé là, qui aujourd'hui fait la joie et l'honneur de notre pays. C'est des choses que nous, on n'a pas encore vues. Mais quand on voit de telles constructions, eh bien, je pense que ça fait la joie de tout un peuple. Et nous sommes là impatients. On veut voir les autos, les voitures passer par là. Et c'est là où notre joie sera à sa comble. Donc on est là vraiment impatients de voir... la finition complète de cette construction. Sous peu, le rond-point Kebana Virage va donner toute sa splendeur et faciliter la libre circulation routière au profit des usagers, ce qui boostera également l'économie des commerçants riverains.